On se marie, traîne pas. Et pourquoi je traînerais pas? On est attendu quelque part? On sait même pas où on va. Pardon. J'essaie simplement de faire pour le mieux. C'est un mouton Hans, oui. Je pense encore à lui. Je croyais que c'était une passade, que c'était pas vraiment sérieux. Tu crois des tas de choses, Ivan Petit? Bien sûr que je pense encore à lui. Mais tu me prends pour qui? À quel moment tu as vieilli à ce point? À quel moment tu es devenue si dure? Tu me trouves dure. Je te trouve triste. Mais tu vois où on est? Regarde autour de toi. J'ai perdu mon père et ma mère. On est sur la route toutes les trois. Il n'y a pas de quoi se faire joie. Parce que tu as 20 ans. Parce que ta vie n'est pas finie. Parce que tu es jolie et que ça fait un siècle que tu n'es pas tombée amoureuse. Parce que si on prend la route, autant que ce soit pour aller quelque part. Sinon, moi je reste là. Solange, tout va bien? Qu'est-ce que tu tiens comme ça? C'est... Elle ressemble à... Allez, ma Solange. Ivan a raison, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester ici. Vous savez? Les filles! Parfois, je pense à avant. Avant la guerre. Je me souviens même plus vraiment comment c'était. Avant que mon frère Jean parte en Angleterre. Avant que mon père et mes cousins me sortent le soir en tous. Avant. Toutes les nuits, je rêve que c'est terminé. Que les Allemands sont partis. Je peux reprendre mon enfance là où je l'ai laissée. Mais je me réveille. Et la guerre est là. Et mon enfance est partie pour de bon. Les avions sont passés.